bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7. Le Conseil d'État doit décider aujourd'hui s'il autorise ou non la réouverture des théâtres et des cinémas. Des référés libertés ont été déposés pour contester la décision du gouvernement. On en parle ce matin avec notre invité, c'est Xavier Vitton, le directeur de Trois Théâtres à Bordeaux. Le réveillon de Noël, c'est demain et beaucoup se retrouveront autour d'un plateau d'huîtres du bassin d'Arcachon. Vous verrez que celles-ci sont sous haute surveillance en cette période de l'année où les vols sont très répandus. Et parmi les cadeaux sous le sapin cette année, il y en a un qui ne passera pas inaperçu, le vélo dont les ventes explosent depuis le premier confinement. C'est particulièrement le cas dans la métropole bordelaise. Mais d'abord, les ostréiculteurs du bassin d'Arcachon, déboutés par le tribunal administratif, 21 d'entre eux avaient saisi en urgence la justice pour contester l'arrêté préfectoral encadrant plus strictement la dégustation d'huîtres dans les cabanes ostréicoles. Les professionnels jugent cet arrêté trop contraignant. Hier soir, le tribunal administratif a donc donné raison à la préfecture. L'arrêté entrera en vigueur dès le 1er janvier. Les ostréiculteurs, pour qui la période des fêtes est cruciale, c'est le moment de l'année où ils réalisent le plus gros de leur chiffre d'affaires. 3500 tonnes d'huîtres du bassin d'Arcachon sont vendues à cette période, mais c'est aussi le moment où les voleurs sévissent le plus dans les parcs à huîtres. Plusieurs tonnes sont volées chaque année. Une surveillance constante des forces de gendarmerie a donc été mise en place pour y remédier. Franck Poirot. C'est en milieu d'après-midi ce jour-là, juste avant l'étale de Basse-Mer, que les gendarmes de la brigade nautique d'Arcachon partent à bord de leur navette pour une opération de surveillance des parcs à huîtres. Depuis plusieurs semaines, ils les arpentent régulièrement pour prévenir d'éventuels vols de coquillages. Ces affaires défraient régulièrement la chronique sur le bassin, particulièrement à l'approche des fêtes de fin d'année. En 2017, un ostréiculteur avait été délesté de 7 tonnes d'huîtres durant cette période, un autre de 2 tonnes l'année suivante. Des vols qui représentent un véritable préjudice pour ceux qui en sont victimes, selon le président des ostréiculteurs du bassin. Ça génère une anxiété terrible parce que c'est comme la foudre. On la voit tomber à côté, ça fait pas mal, mais quand ça vous tombe dessus, c'est terrible. Donc c'est cette angoisse, disons, d'être victime. Parce que forcément, sur un produit fini qui a demandé 3 ans et demi de travail, se faire dépouiller, c'est catastrophique. La période des fêtes peut peser entre 30 et 60% du chiffre d'affaires annuel d'un ostréiculteur. Les gendarmes multiplient les patrouilles sur les 694 hectares de parcs à huîtres arcachonnais. Munis d'un relevé d'immatriculation des 300 bateaux ostréicoles, ils relèvent la présence et l'identité des ostréiculteurs présents sur les parcs. Si un vol venait à être commis, ces informations permettraient d'identifier plus facilement son auteur. Ces vols d'huîtres sont commis généralement entre ostréiculteurs. Et c'est souvent un ostréiculteur qui, par rapport à un problème de mortalité, par rapport à un manque d'huîtres, va être tenté de voler dans un parc voisin. Hein, il faut avoir les connaissances, il faut l'embarcation, il faut avoir également sa filière, hein, il faut pouvoir écouler cette marchandise. Et ce sont souvent des ostréiculteurs qui malheureusement volent et revendent les huîtres de leurs confrères. Les gendarmes vont poursuivre jusqu'à la fin de l'année leur campagne de surveillance et de prévention des vols d'huîtres. Ils sont parfois aidés par des moyens aériens comme un drone ou un survol des parcs la nuit par un hélicoptère équipé d'une caméra thermique. En moyenne, chaque année, 3,5 tonnes d'huîtres sont volées sur le bassin d'Arcachon. L'actualité dans la région et en attendant les premiers vaccins, les EHPAD sont toujours touchés de plein fouet par l'épidémie de Covid-19. L'EHPAD de la Roche-Chalais en Dordogne compte deux nouveaux décès de résidents ces derniers jours. Une dizaine d'entre eux avaient été placés à l'isolement et ont pu être guéris. La directrice de l'EHPAD a promis de tout faire pour leur faire passer le plus joyeux des Noëls malgré le contexte. Le réveillon de Noël justement, c'est demain. Un réveillon dans un contexte particulier. Cette année, à la crise sanitaire s'ajoute une crise économique et sociale, des difficultés qui se feront peut-être ressentir sous le sapin. Nous avons demandé aux Bordelais quel budget ils consacraient cette année aux cadeaux de Noël. Écoutez. Oh, comme budget, je pense que je vais consacrer environ 500-600 euros pour des cadeaux de Noël. On va dire à peu près 300 euros. Au final, c'est pas la joie, donc voilà, sans le savoir, on doit se restreindre un peu. Oui. Bah moi, le contexte du Covid ne m'empêche pas trop, mais c'est vrai que cette année, du coup, je suis jeune pro et je viens de commencer à avoir un salaire et tout, donc cette année, je serai un peu moins radine que d'habitude. J'achète toujours, si possible, local, français, pour justement aider l'industrie et l'artisanat français. Et c'est vrai que cette année, je suis beaucoup plus sensible à cela, plus que les autres années. Ben, on cherche des idées différentes, quoi. Pour changer le cadeau traditionnel, voilà.
Des choses qu'on peut faire en confinement, en fait, bah, la cuisine, la raclette et le Scrabble. Déjà, matériellement, c'est plus délicat, l'accès au magasin est moins évident, les horaires d'ouverture aussi, parce qu'on s'est rendu compte, notre première sortie aujourd'hui, on s'est rendu compte que tous les magasins n'étaient pas forcément ouverts. Il y a quand même du monde, on va passer la semaine avant Noël, donc ça me semble normal aussi, quoi. Et parmi les cadeaux sous le sapin cette année, nombreux seront les vélos. Le secteur du vélo ne connaît pas la crise. À la fin du premier confinement, les ventes ont explosé de 117%, un record. Et peut-être plus encore ici, dans la métropole bordelaise. Explication avec Bénédicte Dohain. Synonyme de liberté, le vélo fait carton plein auprès des Français en mal de mobilité. Après les deux derniers confinements, les magasins ont été pris d'assaut. On a vu un énorme engouement, notamment à la sortie du premier déconfinement, où beaucoup de personnes se sont retrouvées à vouloir consommer des vélos. Et on a été très vite en rupture sur certaines références, ce qui a prouvé que l'engouement du vélo était fort à travers la région bordelaise, mais aussi à travers la France. Star des rayons que les clients s'arrachent pour les fêtes de fin d'année, le vélo de ville sous toutes ses formes, mais pas que. On a aussi les vélos électriques qui sont aujourd'hui en boom. Sur la pratique vélo urbain, puisque ça facilite la pratique du vélo et ça rend accessible un peu plus facilement la pratique du sport. Depuis le mois de mai, les carnets de commandes explosent. Une explosion en lien avec l'opération coup de pouce lancée par l'État et suivie par la métropole. Un coup de pouce sous forme de subvention pour l'achat ou la réparation d'un vélo. Dès l'annonce de l'aide de l'État, c'était un afflux continu de clients et donc il a fallu mettre en place, un peu comme chez le médecin, des rendez-vous pour pouvoir faire face, parce que sinon j'arrivais même pas à fermer la boutique avec le lot de vélos qu'on m'a porté dans une journée. Depuis le début de l'opération, 2200 subventions ont été accordées par la métropole. 1000 dossiers sont encore en attente. Voilà, et à noter que la date limite de l'opération coup de pouce de l'État a été prolongée jusqu'au 31 mars, mais pas celle de Bordeaux Métropole. Vous avez jusqu'au 31 décembre pour envoyer vos demandes de subvention pour un vélo. Si certains clients avaient l'habitude de se retrouver autour d'une table de restaurant pour Noël, cette année, il sera bien sûr uniquement possible d'emporter les menus haut de gamme en click and collect. C'est en tout cas le pari que font de grands restaurateurs pour sauver leur chiffre d'affaires, souvent en proposant des produits locaux à emporter. Je vous propose de regarder le reportage des étudiants en journalisme de l'EFJ à Bordeaux. Je fais plutôt mes courses dans les marchés, chez des petits producteurs. On essaie d'acheter plutôt des produits français. Des bons produits locaux, voilà. Huîtres, les crépinettes. Si sa table, c'est le nombre que ne devront pas dépasser les Français à l'occasion des fêtes de Noël cette année. Les restaurateurs fermés par les mesures sanitaires comptent bien s'inviter dans l'assiette des Girondins. Plus vieille étoilée de Bordeaux, le pavillon des boulevards a déjà mis en place un service de click and collect et de livraison. Il a décidé de continuer l'aventure pour Noël. Le traditionnel repas sur place sera donc à emporter cette année. On a rajouté une partie épicerie, donc tout ce qui est les produits qu'on utilise de fête essentiellement. On va proposer du foie gras, du saumon fumé, du magret fumé. On est complet depuis ce week-end, donc c'est vrai qu'on remercie notre clientèle d'être fidèle. Là on est à 83 plateaux. Mais la vente à emporter n'a pas fonctionné pour tous les restaurateurs. Au passage Sargé, à Bordeaux, le caviar de Neuvik s'est prêté à l'expérience, sans succès, suite à la fermeture de sa partie restauration. On a tenté la vente à emporter. On a eu des bons clients qui ont commandé, mais pas assez pour que ce soit rentable. Malgré tout, on a quand même continué les ventes. Via notre site internet, c'est en train d'exploser. Vu que les restaurants sont fermés, je pense que les gens vont se faire plaisir et vont prendre des produits dits de luxe pour mettre sur leur table. Acheter local, soutenir les restaurants, c'est le souhait de certains Girondins. En tout cas, la restauration de luxe n'a pas dit son dernier mot pour Noël. Voilà, et ne loupez pas demain, ce jeudi 24 décembre, un invité spécial dans la matinale de TV7, c'est Vivien Durand, le chef étoilé du restaurant Le Prince Noir. Il sera ici avec nous pour nous préparer une recette spéciale réveillon de Noël et spéciale région avec des produits locaux. Ce sera demain matin. D'ici là, très bonne journée.